Getting Shit Done. Vite fait, je m'appelle Thomas Boulard, je suis tatoueur depuis 13 ans maintenant, j'ai 48 ans, et auparavant j'ai été illustrateur, donc en fait ça fait depuis très longtemps que je suis dans le milieu du dessin en général. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux parler de ta famille ? Oui, alors ma famille, la famille Boulard, c'est une toute petite famille, en fait, on a très peu de cousins, de cousines. Pour le moment, j'ai surtout mon papa qui est toujours là, ma maman qui nous a quittés il y a quelques années. J'ai ma fille qui habite à Toulon, puisque moi-même j'habite à Lyon depuis quelques années aussi. Donc c'est une toute petite famille, on n'est pas très très culture famille dans la famille justement, on aime bien se voir mais jamais trop longtemps. Mon père est à la retraite maintenant mais il a été dans la marine nationale pendant très longtemps, amiral même. Donc, on a une culture de la marine dans la famille. Moi, j'ai vécu à Brest, Cherbourg, Toulon, dans tous les grands ports de la marine nationale. Et puis avec toute la culture qui va avec, l'espèce de rigueur un peu militaire qu'on peut avoir à la maison quand on a des parents militaires. Et voilà, quoi. D'accord. Alors, comment ça se passait à l'école quand tu allais à l'école? Alors, quand ma relation avec l'école... pas été très facile puisque en fait très rapidement j'étais en avance en fait par rapport aux autres élèves, donc certains de mes profs à Brest ont eu la bonne idée de me faire sauter une classe. Alors je dis la bonne idée, c'est un petit peu ironique parce que ça m'a pourri toute ma scolarité, on va dire. J'étais toujours le plus jeune de la classe et puis malgré ça j'étais toujours en avance, donc comme je foutais le bordel à l'école, j'empêchais les autres de travailler parce que à la maison je travaillais aussi avec mon père, donc du coup quand on faisait des divisions, nous on attaquait l'algèbre à la maison, ce qui fait qu'à l'école je travaillais pas. Et donc action-réaction, je me suis retrouvé en pension en Angleterre pendant quelques temps, dans une vraie pension anglaise, avec l'uniforme, le boarding school, comme on dit. La casquette, le blason sur la veste, la cravate, évidemment. L'équipe de sport, enfin bref, la totale. Le parfait cliché de l'école anglaise. Voilà, donc ça m'a permis d'apprendre l'anglais, déjà, qui est une bonne chose. J'étais pas dernier de ma classe en anglais, ce qui est pas mal pour un petit français. Ça m'a donné le goût de la lecture aussi, parce que du coup je me retrouvais pas mal à lire. Donc la SF, la fantasy, toutes ces choses-là sont venues de cette époque-là. Et quand je suis revenu en France après ça, l'école, ça a repris comme avant, c'est-à-dire que je faisais toujours pas grand-chose, ou juste ce qu'il fallait pour passer dans la classe suivante. Et ça a continué comme ça jusqu'au bac, en fait. Puisque mes parents voulaient que je fasse quelque chose de bien, donc quelque chose de bien, c'était minimum maths sup, maths spé, polytechnique, des choses comme ça, quoi, école des ponts et chaussées, chose que je voulais pas du tout faire. Moi, je voulais faire du dessin, de la BD, du dessin, de l'illustration, jouer dans un groupe de rock. Mais surtout pas faire ce que vous voulez que mes parents fassent. Donc j'ai coupé la poire en deux en faisant un bac économie, qui ne réjouissait personne, ni moi ni mes parents d'ailleurs. Donc j'ai eu mon bac avec 10,04 de moyenne. J'ai fait très fort pour bien calculer mon coût.
Et puis, bah, comme je suis d'une génération où il y avait le service militaire, je me suis retrouvé donc après le bac à devoir faire mon service. Et à cette époque-là, quand on ne voulait pas faire l'armée, c'était assez facile de se faire passer pour fou, on se faisait réformer P4. On passait devant un psy et là, on simulait. Donc on avait plein d'astuces voilà, pour balancer des discours. Bon, le petit problème que j'avais, c'est que mon père était haut gradé dans l'armée et que je me suis retrouvé anti-pistonné. En général, on pistonne, là non, moi ça a été l'inverse, ce qui fait que le médecin psychiatre m'a mis apte avant même de me poser la première question. Donc je me suis retrouvé apte au service. Et j'ai repris mes études que après le service militaire, en fait. Et là, ça a été beaucoup mieux parce que c'était des études que j'avais choisies, de design industriel, donc du dessin. Et là, ça a été beaucoup mieux, ma relation avec l'école. Voilà. D'accord, super. Et donc là, c'est là que tu as pris la direction qui t'a amené jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui, en gros. T'as commencé à dessiner et à embrasser une carrière artistique. Alors, c'est à cette époque-là que, effectivement, c'est devenu plus clair dans mon esprit. Dessiner, je l'avais toujours fait depuis tout petit, puisque tout le monde dessine dans ma famille. Ma mère, mon père. Mon père, son loisir, c'était la gravure sur cuivre au burin. Donc, j'ai toujours vu dessiner durant ses temps libres. Lors de mon séjour à l'armée aussi, donc c'était en Côte d'Ivoire. Hein, j'ai fait un service long. Et c'est là que j'ai fait mes premiers tatouages, puisque comme je dessinais, mes camarades de chambrée m'ont demandé de les tatouer, alors que moi, à la base, le tatouage ne m'intéressait pas spécialement. Et je leur ai expliqué que je ne savais pas faire, ils m'ont dit, c'est pas grave, il y a une aiguille, on achète de l'encre, et puis voilà. Et tu trempes l'aiguille dans l'encre, tu fais des petits points qui suivent, et puis ça finit par faire un trait. Et puis c'est parti de là, j'ai fait une soixantaine de tatous en tout quand j'étais en Côte d'Ivoire à l'armée, alors début des années 90, aucune hygiène bien sûr, hein, pas de gants, pas de l'eau du robinet, du PQ pour essuyer évidemment, hein, le tout avec un 98% d'humidité, 45 degrés, la Côte d'Ivoire, Afrique noire. Hein, c'était en pleine période où on avait très peur du sida, de toutes ces choses-là. Mais non, on était un petit peu... c'était l'époque qui voulait ça, hein. On n'avait pas encore toutes les normes d'hygiène qu'on a maintenant. Et donc j'ai fait mes premières armes là-bas, tout en sachant que ce ne serait pas mon métier. Mais c'est quand même resté dans un coin de ma tête. Je me dis, peut-être plus tard, un jour, ça reviendra. Et effectivement, quand je me suis retrouvé après ça à être vraiment illustrateur, c'est-à-dire mon premier boulot, c'était dans le jeu vidéo, une boîte qui s'appelait Cryo à Paris. Et tout de suite, ça m'a plu, mais je gardais en tête qu'un jour, quand ça ne me plairait pas, je me rabattrais quand même sur le tatouage. Voilà. Ok, et donc du coup ton premier job c'était dans le jeu vidéo? Alors mon premier job en fait c'était juste après mon diplôme de designer industriel. Comme j'avais très bien réussi, j'avais des entrées dans pas mal de studios de développement, de design produit. Et puis en allant les voir, en leur montrant mon book, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. C'est-à-dire les bureaux étaient remplis de gens à chemise à carreaux avec des barbes et des lunettes en train de fumer la pipe. Alors maintenant on appelle ça des hipsters et c'est à la mode, mais à l'époque ça n'était pas du tout. C'était très ringard, moi j'avais des cheveux longs, j'écoutais de la musique indus. C'était pas mon univers du tout, donc j'ai entendu dire par un ami que mon genre de profil était recherché dans le jeu vidéo, et là j'ai ni une ni deux, j'ai bondi, on m'a donné un storyboard comme test d'entrée, on m'a dit voilà, t'as 10 jours pour me faire un storyboard, à l'époque c'était génial, on bossait sur un jeu qui était tiré du comic book de Alien.
Donc, premier job, on te dit tu vas bosser sur Alien. Donc, le menton qui est tombé. Ah ouais? Ouais, ouais, tu vas faire un storyboard, et puis on va voir si ça marche bien, tu seras pris. Putain, génial. Et bah, cette boîte, Cryo Interactive, qui était une grosse boîte, je crois qu'on était 180 au plus fort à Paris. Bah, c'est là que j'ai fait mes premières armes dans le métier, en fait. J'y ai passé 5 ans. Ce qui est amusant, c'est qu'en arrivant dans les locaux, la première personne que j'ai vue était quelqu'un qui était à l'école avec moi pendant mon BTS de design industriel à Toulon. Donc je me suis dit, tiens, j'ai peut-être pris la bonne voie pour aller faire du jeu vidéo, en fait. Et puis c'était génial, c'était une époque où les équipes se formaient par affinité de goût. On proposait une idée de jeu, les patrons validaient, nous donnaient un budget, nous proposaient de former nous-mêmes l'équipe, donc on choisissait le programmeur, les musiciens, les graphistes 3D, et puis en avant. Et puis c'était une époque complètement folle. Maintenant, on est habitué à voir pour les tournages de films où il y a des parties en images de synthèse, les personnages sont animés avec ce qu'on appelle la motion capture, la capture de mouvement. Donc on est habitué à voir les gens, les comédiens avec des petites pastilles de couleurs sur le corps. On a bossé avec ça à Cryo et en fait on était le premier jeu au monde qui utilisait la motion capture. Et on faisait appel à une boîte de Nancy, Acti System, qui était la première boîte en France à faire ça, donc c'était complètement novateur. J'ai commencé à bosser donc au moment où les images de synthèse, on commençait à mettre dans les images de synthèse des choses qui rendaient ça plus crédible, c'est-à-dire de la saleté, de la rouille, des éclats de peinture. Avant ça, les jeux vidéo étaient ultra lisses comme dans Tron. En gros, c'est-à-dire qu'il y avait tout était propre, neuf, comme en plastique un petit peu. Et donc moi, je suis arrivé pile poil au moment où voilà, on mettait du sale dans le jeu vidéo. Et je bossais en plus sur Alien, donc Alien, le film de SF qui lui a mis aussi un peu du sale dans le cinéma de science-fiction. Bah, c'était juste parfait, quoi. Donc, je vais maintenant donner mon bras à Thomas, car vous l'avez compris, il a installé plein de matos, c'est pas pour rien. On va le voir tatouer, et on va le voir tatouer mon bras, en fait. Donc, c'est mon premier tatouage, donc je pense que ça va être spécial. Alors, je vous préviens, vous êtes certainement nombreux à connaître le travail de Thomas. Je lui ai demandé un tatouage qui n'est pas un tatouage qu'il fait d'habitude. Vous connaissez le travail de Thomas, vous allez le découvrir puisque je vais vous montrer des images de ce qu'il fait. Thomas est un dessinateur, il a un univers graphique très riche. Je lui ai demandé un lettrage, donc c'est pas d'habitude ce qu'il fait. Mais Thomas est un copain, et donc du coup il est sympa avec moi, il fait un tatouage qui me fait envie. Ça vous permettra de voir comment un tatoueur fait un tatouage. Moi, j'insérerai des images des tatous que Thomas fait, dont un tatouage qu'il a créé pour mon film de l'année dernière, Terre plate, qui a été porté par un des acteurs. Alors évidemment, c'était pas un tatouage définitif, puisque je pense que ça aurait été difficile de tatouer un acteur pour une séquence de 10 secondes. J'aurais eu des problèmes avec son père, qui donnait un coup de main sur le tournage aussi. Mais par contre, on avait fait un tatouage temporaire de ce magnifique tatou que vous voyez maintenant. Et du coup, c'est Thomas qui l'avait créé. Il avait d'ailleurs créé plusieurs versions que vous voyez maintenant à l'image. Et donc maintenant, Thomas, on va reprendre l'interview. Si je réussis à la faire, puisque maintenant Thomas va me tatouer. Donc je ne garantis pas que je sois un très bon intervieweur maintenant avec la nouvelle expérience de me faire tatouer. Et en plus, vous allez avoir le bruit de la machine à tatouer. Ça s'appelle comment? Un thermographe. Un thermographe. Vous avez un thermographe, mais bien sûr, évidemment, un thermographe. Vous allez avoir le bruit du thermographe en même temps que nous allons parler. Du coup, j'essaierai de faire de mon mieux au montage, mais ça risque d'être un peu spécial en termes de son. Donc voilà, on invente, on crée, on verra bien ce que ça donne.
Donc voilà, Monsieur Boulard, voici mon bras gauche. En piste. Faites-en ce que vous voulez. En piste. Alors, bon, je m'avance plus. Alors voilà, l'idéal, c'est que tu te positionnes à peu près confortablement. Quand ouais, même. Voilà, je suis pas mal. La petite consigne que je vais te donner, c'est que quand je suis en train de piquer, ne fais pas de mouvement brusque, ne retire pas ton bras ouais. brusquement. Si tu dois bouger, te décramper le bras un peu, t'hésite pas à me demander, je te laisse remuer. Et puis tu peux. Check l'image, ouais, non, ça a l'air pas mal. Tu peux bouger pendant que je rechargerai mon encre aussi. D'accord. Bon, ben voilà, c'est parti. Hein. Eh oui. Pas de regret ? Non, ça... j'y ai beaucoup réfléchi avant. Donc, Alors, ça, c'est le bruit du dermographe. Allez, je vais commencer par un petit trait, comme ça, tu auras la sensation. Allez, c'est parti. Bon, bah écoute, t'as l'air d'avoir une peau qui prend pas trop mal. Alors, tu sais quoi, on va se repositionner un tout petit ouais. peu quand même. Vers plus peu. Par là. Ouais, parce que moi, je vais me retrouver pas mal comme okay. ça, et effectivement, ça, ça risque de me gêner ouais. un petit peu. Voilà, alors, comme ça, c'est bien. Du coup, ouais, ça va, je suis toujours dans le champ du time-lapse. Ok, allez. Ça va ? Ça va. Tu t'es attendu à être sûr ? Je m'attendais à peu près à ça. C'est moi qui ai le trac. Ah, il faut le faire. Combien t'as fait de tatouages dans ta carrière hein, oh, mon Dieu. Tu le sais au moins non, 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 plusieurs milliers. Plusieurs milliers, ouais, ouais. À l'aise. Ouais. Ça fait 13 ans que je tatoue. Plusieurs milliers. Sachant que maintenant, j'en fais plus qu'un. Depuis que j'ai mon studio privé, j'en fais plus qu'un par jour. Je préfère privilégier la. L'expérience de se faire tatouer plutôt que la productivité. Donc là, tu disais, ça fait 13 ans que tu es tatoueur. Ouais. Tu as commencé donc à Toulon. Oui, alors en fait, ma fille allait naître. J'habitais à Paris. La maman de ma fille attendait la naissance de ma fille. Moi, je venais de terminer un projet de jeu vidéo sur lequel on a travaillé tous les deux, d'ailleurs. Ah bah oui, ah oui alors, Thomas et moi, on a travaillé ensemble il y a une semaine, c'est ça? Une semaine ou 20 ans? Je m'en rappelle plus exactement. Oui, on va avoir une semaine ou 20 ans. Je crois que c'était il y a 20 ans. C'est 20 ans, ouais. Oh là là. Putain. Donc, c'était Nevrax, une sacrée boîte, c'était cool, qui avait été montée à l'époque des startups. Les premières startups. Voilà, ce qu'on appelait la bulle informatique. Et c'était sur une prod d'un jeu qui a duré 5 ans. Comme, enfin, pour ma part en tout cas. Pour toi, ouais, moi je me suis arrêté avant. Un jeu qui s'appelait Rhizome et qui, étrangement, est toujours actif. Il y a toujours la communauté des joueurs a racheté le jeu, je crois. Que c'est un jeu de rôle en ligne et donc ils y jouent toujours. Oui, je me suis retrouvé à Toulon à faire du tatouage parce que je ne voulais pas que ma fille naisse à Paris. Ayant habité longtemps à Toulon, je me disais que retrouver le soleil et la mer ce serait pas mal. Et puis le jeu vidéo, à Toulon c'est un peu compliqué, il n'y a pas de boîte, le télétravail c'était pas encore ça à l'époque, surtout. Dans le dessin, c'est un peu compliqué. Et c'est là que je me suis dit, t'as toujours voulu tatouer en avant. Donc j'ai cherché un tatoueur, trouvé très rapidement avec mon book d'illustration de jeux vidéo sous le bras.
Et puis j'ai eu une formation qui a duré très peu de temps. Parce que je dessinais déjà, donc pour moi c'était juste un nouveau médium. Et une semaine plus tard, j'ai tatoué mon premier client, mon premier vrai client. Et c'était quoi comme tatouage ? C'était génial. C'était un retraité des pompes funèbres qui devait avoir 70 ans et qui m'explique qu'il voulait un crâne de pirate avec des sabres croisés en dessous parce que toute sa vie, il a travaillé dans la mort et qu'il voulait en rigoler. Donc c'était un, je m'en souviendrai toujours, c'était un crâne de pirate et je recroisais souvent le type à Toulon qui à chaque fois me reparlait du tatou qu'il adorait, voilà. Donc c'était pas un raté, c'était pas mon premier raté est venu après. C'est peut-être ce qu'on appelle la chance du débutant, je ne sais pas. Mais donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Toulon à faire des tatouages. De manière professionnelle. Et tout de suite, tu t'es dit, j'ai trouvé mon truc. Ah ouais, oui, ça a été immédiat. C'est le plus beau métier du monde, quoi. Il y a plein de gens qui le disent, mais j'adore le dessin. Ce qui m'embêtait un peu avec mon ancien métier, c'est que même si on travaille en équipe, bah, on est quand même finalement tout seul face à sa feuille. Quand on est salarié et qu'on est en panne d'inspiration, on est quand même obligé de dessiner. Parce que on est salarié et que les gens attendent de toi qu'on dessine. Et quand on n'a pas envie, c'est très compliqué. Et pour être tout à fait honnête, je bossais énormément dans le jeu vidéo et je m'étais dit, un petit peu de tatouage, ça te fera pas de mal à la créativité, parce que les gens savent ce qu'ils veulent se faire tatouer, donc pour toi ça va être plus simple, tu pourras mettre ton cerveau un peu au repos. Et je me disais que j'allais finalement me reposer un peu de mes 10 ans de jeux vidéo. Cruelle erreur. Cruelle erreur, j'ai bossé 3 fois plus. Parce qu'évidemment, avec le tatouage, on tatoue la journée, mais le soir, on dessine, on prépare les tatouages du lendemain. Ce qui laisse finalement peu de temps pour soi. Ouais, d'ailleurs, en plus, toi, ton style de tatouage, c'est un style très créatif où tu crées beaucoup de motifs pour les gens. Explique un peu ce que tu fais, comment tu définirais ton style de tatouage ? Alors, stylistiquement, mon style, on pourrait appeler ça du surréalisme un petit peu. Moi, je pense que ça se rapproche dans une certaine mesure de ce que pouvait faire Ernst ou Éluard en collage. Ça se rapproche de la gravure aussi. La gravure au burin, parce que moi j'ai toujours aimé Gustave Doré. Et puis toutes les illustrations qu'on trouvait dans les Jules Verne quand j'étais petit. Et mon style, c'est un petit peu ça. C'est quelque part, en toute modestie, entre Gustave Doré, Jules Verne et puis les gravures naturalistes, qui me fascinaient aussi quand j'étais gamin, les bouquins sur les animaux. C'est un métier que j'aurais bien aimé faire, ça, naturaliste, d'ailleurs. Mais maintenant, c'est un peu compliqué. Il y a de moins en moins de nature. Alors, par exemple, c'est quoi ta routine ? Comment ça se passe une journée de Thomas Boulard ? Raconte-nous. Alors, ça commence par parler... m'aérer la tête au parc de la Tête d'Or. À Lyon, on a un parc magnifique, qui est le plus beau parc que je connaisse, le plus beau parc urbain en tout cas que je connaisse, qui est très très grand en plus. Et j'ai pris pour habitude d'y aller quasiment tous les matins. Donc la première chose que je fais en dehors de mes ablutions, c'est d'aller soit balader, soit courir au parc de la Tête d'Or. Donc là, je le connais par cœur, ce parc, sous tous ces climats.
toutes les ambiances de la journée. Ensuite, je vais me prendre un petit café avec un carnet à dessin dans lequel je note, je prends des notes d'idées que je peux avoir pour des motifs que je vais proposer. Ou alors, commencer à crobarder des idées que m'ont suggéré des clients. Ensuite, je vais manger, je me fais à manger. Et l'après-midi est consacré au tatouage. Donc là, je me retrouve dans mon... ici, dans mon petit studio, où en attendant le client, je fais toute ma mise en place, donc un peu de ménage, le montage des aiguilles, du poste de travail, la préparation du stencil, le stencil étant le, ce qu'on va transférer sur la peau avant de tatouer. Puisque théoriquement, auparavant, la veille, j'aurais déjà préparé le dessin. Donc en arrivant le matin, le midi, en tout cas, le dessin est prêt à être mis sur stencil. Quand le client arrive, on discute un peu, on se met à l'aise. Et je lui pose le stencil et puis je me retrouve exactement dans cette étape, c'est-à-dire que on tatoue jusqu'à ce que la pièce soit terminée. Le soir, je rentre chez moi, je mange et je me remets au boulot. En général, je dessine la veille pour le lendemain. Si je dessine trop tôt, j'ai toujours des idées qui me viennent entre temps et je me dis j'aurais dû faire autre chose. Alors que si je procrastine, au moins je suis sûr de faire le bon choix dès le départ. Et puis, quand j'ai terminé de dessiner, c'est dodo, c'est une nouvelle journée qui commence. Voilà, une journée type. Pas très excitant, en soi. Alors, c'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée professionnelle ou sur le plan personnel? Une bonne journée pour toi. C'est pas une journée où quand tu te couches, tu te dis « Ah, c'était une bonne journée ». Ouais, alors il y a plusieurs façons pour moi d'avoir une bonne journée. Soit c'est une journée que j'ai entièrement consacrée à moi ou à ma fille, par exemple, à se faire du bien manger, aller à une bonne table, voir un bon film, dessiner ensemble. Ça peut également être une journée de travail durant laquelle soit j'ai fait une belle rencontre avec la personne que j'ai tatouée, ou le projet sur lequel je bosse est très intéressant, ou je peux être satisfait de moi en fin de séance, ce qui est plutôt rare parce que tous les gens qui dessinent ou qui créent savent que de son travail, en général, on ne voit que les erreurs. Donc moi, quand j'ai terminé un tatou, je vois que ce qui n'a pas été. Que les gens ne voient pas toujours d'ailleurs. Mais ça peut m'arriver d'être content de moi en fin d'une séance. Et là, ça fait quand même ça termine bien une journée, quoi. Et puis, alors, je suis très rationaliste, mais il y a quand même un phénomène qui se passe quand on travaille avec des gens. Surtout sur du tatouage où il y a de la douleur qui rentre en jeu, donc forcément il y a de l'empathie aussi. Et c'est ce qu'on pourrait appeler des transferts d'énergie. Alors j'aime pas ce mot-là, énergie, parce que ça fait très mystique et que je ne suis pas vraiment. Pourtant on le ressent. C'est-à-dire que les gens qui génèrent des endorphines pendant qu'ils sont tatoués peuvent nous les transmettre aussi. Ce qui fait qu'on peut se retrouver en fin de séance complètement euphorique ou complètement crevé d'ailleurs, selon si la personne, je mets ça entre guillemets, vous a donné ou pris de l'énergie. Un mystique pourrait dire ça, mais je sais pas comment le dire avec des termes rationnels, mais en tout cas c'est quelque chose que je vérifie assez souvent. Ça. Donc ça peut faire une belle journée aussi, quand il y a eu un bon échange d'énergie. Avec la personne qu'on a tatouée. D'accord. Et alors, à contrario, c'est quoi une mauvaise journée?
une mauvaise journée, ça peut être une journée où le matériel se ligue contre toi. J'en ai passé quelques-unes à l'époque où je travaillais en salon. Alors, la différence entre un salon et un studio privé, c'est que le studio privé, on y est en général que pour travailler. Le salon, on y est même si on ne travaille pas, pour faire de l'accueil pour des gens, du renseignement, tout ça. Et il y a une notion de productivité aussi dans un salon. Ce qui fait que si l'imprimante commence à faire des siennes, ça peut facilement te ruiner une journée parce que quelque chose qui va te mettre 10 secondes à faire, sortir une impression, dès que ça commence à merder, c'est plus 10 minutes, c'est plus une demi-heure, ça peut se retrouver être à 2 heures, voire à aller taper à la porte d'un collègue tatoueur dans une autre boutique pour lui demander s'il ne peut pas t'imprimer ton truc. Et là, on ne se sent pas très fier, on se sent un peu con, on s'énerve tout seul. Si on s'énerve, le client va le ressentir, la qualité du tatou sera peut-être pas la même parce qu'on sera pas serein. On va vouloir rattraper le temps perdu. Une mauvaise journée, ça peut être ça. Ça m'arrive plus vraiment depuis longtemps d'attribuer une mauvaise journée à juste le client qui est en face de toi et qui semblerait faire la gueule ou pas, parce que finalement c'est la façon dont toi tu vas aborder le client qui va faire que ça va bien se passer ou pas. Donc si ça se passe mal, enfin ça se passe rarement mal quand même, mais si ça se passe pas génialement, finalement tu peux t'en prendre qu'à toi aussi. Alors que le matériel, c'est différent. Le matériel, ça veut pas. Et en général, selon la loi des séries, si quelque chose merde, tout le reste va se mettre à merder aussi. Donc les plus mauvaises journées que j'ai passées, c'était ça. Ou des journées où on se fait planter aussi. On travaille sur un projet très longtemps. Le client, on a travaillé avec lui longtemps en amont, on a fait des modifs, et puis l'idée peut être super intéressante, on s'est beaucoup investi là-dedans, alors que le client a versé des arts pour bloquer son rendez-vous, d'un seul coup, il vient pas. Il répond pas au téléphone, et il est plus là. Il avait décidé qu'il allait pisser. Et puis là, on se retrouve le bec dans l'eau, à avoir bossé pour rien, et puis non seulement bossé pour rien, mais aussi ne pas pouvoir faire une pièce qui aurait pu être super intéressante, et qu'on peut pas refiler à quelqu'un d'autre, parce que c'est l'idée déjà de quelqu'un. Donc voilà, c'est un espèce de sentiment de gâchis, ça arrive. Rarement, mais ça arrive. Alors là, la question que je vais te poser, il y a une partie de la réponse à laquelle il y a un côté évident, mais donne-moi trois outils que tu aimes et qui sont une extension de toi. Alors c'est une question que je pose à d'autres gens dans cette série-là, mais je pense que si tu ne dis pas le dermographe dans ta réponse, je serais un peu étonné, mais... à la limite, peut-être pas, d'ailleurs... J'allais peut-être pas le mettre en fait. Ouais, d'accord. Parce que pour moi, le dermographe ou le crayon, c'est la même chose. Donc, ouais. Le crayon ou le pinceau. Hein. Pinceau, crayon, plume, dermographe, burin. Pour moi, c'est la même chose en fait. C'est simplement sa forme qui va changer, mais au final, l'intention est toujours la même derrière. Donc j'aurais peut-être dit le crayon pour symboliser tout ça en fait. Donc j'aurais mis le crayon. Je mettrais. Une grosse cuillère ou une marise, quelque chose pour faire la cuisine. Voilà, ça très important pour moi dans la vie, faire la cuisine. Ou une fourchette, parce que la fourchette, on peut faire la cuisine, mais on peut la manger aussi. Voilà. Et un troisième objet, ma tablette graphique, quoi. Voilà, ma tablette graphique. Tout simplement. D'accord. Donc, de la création pour les trois, mais il y en a une qui se mange. Exactement. Alors, est-ce que... Oui, pardon, vas-y. D'accord. Je sais pas ce que j'allais dire, d'ailleurs. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu te lèves le matin? Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est que... Je fais un boulot
tous les matins, je me dis quand même, c'est vraiment génial ce que je fais comme boulot. Et ça, quand j'étais illustrateur, Dieu sait si j'aime le dessin. Il y a des matins, je me levais en disant, franchement, je serais bien au lit. Ou j'en ai marre de ce projet, ou voilà. Le tatou, ça ne m'est jamais arrivé en fait. Jamais. J'y vais avec le sourire et ça, c'est quand même un truc assez génial, quoi. J'ai perdu le fil parce que je me souviens plus ce que tu m'as demandé. Pourquoi tu te lèves le matin? Ah oui. Donc tu répondais parfaitement à la question. Donc je me lève pour le matin. Ah oui, et puis il y a aussi un truc, c'est que en fin de séance, quand tu vois la tête du client qui est content, ouais, c'est hyper gratifiant. Et ça, bon, il y a plein de métiers où les gens vont le dire, hein, mais c'est pas galvaudé, c'est vrai. Moi, je fais ce métier pour voir la tête de la personne à la fin. Et c'est hyper gratifiant, quoi. Pour soi, bah... Donc déjà, de se lever le matin en se disant bah, tu vas te faire plaisir parce que t'aimes bien faire ce métier-là, mais tu vas faire plaisir à la personne qui va la voir. Et puis, tu vas pas lui faire plaisir 5 minutes comme si t'étais pâtissier ou voilà, le temps de manger un éclair, je sais pas, voilà. Là, tu vas lui faire plaisir toute sa vie. Parce que le tatou, bah, on te l'a dit hein, que ça va rester comme... Ah non, non, bah, voilà. Tu m'as dit 3 semaines quand on s'est parlé... Ça va rester un petit peu. Effectivement, tu vas faire plaisir à la personne toute sa vie. Toute sa vie, ouais. C'est pas bon, ça. Et je connais peu de gens que j'ai tatoués qui regrettent parce que on travaille pas mal les idées ensemble et que je fais pas des tatous type carpe diem ou petit signe de l'infini qu'on voit un peu partout. Donc je me retrouve pas confronté à des gens qui regrettent d'avoir fait leur tatou en général. Quand je les revois des années après, bah, 100% du temps, c'est pour me dire qu'ils aiment bien, que, voilà. Mais même, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait regretté son tatouage. Moi j'en rencontre par mon métier, puisque je fais ce qu'on appelle des recouvrements. Oui, d'accord. Oui, toi. Et je disais carpe diem parce que c'est une phrase que j'ai beaucoup recouvert. Ah ouais, d'accord. Beaucoup de gens se sont fait des tatouages des carpe diem. Durant les années, oui, 2000, 90, 2000. Alors là, une question importante. Quelle est pour toi ta plus grande réussite personnelle? Ma fille. Ta fille. Ma fille. Ma fille, bien sûr. Ma fille, Célène, 13 ans, qui doit lire les deux romans par semaine, qui me ruine en bouquin, qui adore dessiner, qui travaille bien à l'école. Voilà, ça c'est quand même génial. Bon, t'as pas réfléchi longtemps, hein. T'as pas eu besoin de réfléchir, quoi. Hein. Non, non, c'est évident. À partir du moment où on a un enfant et qu'on s'y intéresse, je pense que tout le monde répond ça. Enfin, c'est ce que je crois. Alors, depuis que tu travailles, ça fait quand même longtemps que tu travailles, hein, tu disais que tu avais 48 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as compris, tu vois? Il y a certainement quelques trucs que tu as compris. Quels sont les enseignements, quelques ouais, pépites? Qu'est-ce que t'as figé? Alors, j'ai compris, je sais pas, mais en tout cas, j'ai su très tôt, dès le lycée, que je ne ferais que des métiers, c'est quelque chose que je m'étais dit, que je ne ferais que des métiers dans ma vie où personne ne me dira comment m'habiller. c'est idiot hein, comme principe de base. Il faut que je bouge le bras, ouais, je t'en fous en suquet. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit très tôt et j'ai fait en sorte de m'y tenir vraiment comme un principe de vie professionnelle. Donc, c'est complètement futile, hein, mais ça m'a... C'est ton truc. C'est mon truc. Voilà. J'ai eu la phase militaire, mais ça, j'avais pas le choix. Oui, t'as essayé d'éviter. D'un autre côté, je regrette pas d'avoir fait, en fait. Hein, parce que c'est quand même là que j'étais à toi en premier. Ouais, carrément, c'est là que t'as amorcé le truc. Les premières sensations avec la peau, quoi. Donc là, on a presque fait le contour de... Ah oui, parce que moi, je vois pas. Ah, c'est classe.
on s'améliore, mais qu'on s'améliore jamais par la seule force du Saint-Esprit. C'est, bah, le boulot, bah, ça s'appelle le boulot parce que c'est du boulot. Il y a plein de gens qui pensent que le dessin, c'est un don. Moi, j'ai pas cette vision du tout parce que j'ai des gens que j'ai formés qui ne dessinaient pas du tout, qui s'en pensaient pas capables et qui maintenant dessinent très bien. C'est juste le degré d'intérêt que tu y mets, en fait. Si le dessin t'intéresse, forcément, tu vas dessiner. Si tu dessines, tu vas t'améliorer. Et donc, ce que j'en retire, c'est que c'est pas un don, ça vient de quelque part, et ce quelque part, ça vient d'une envie de le faire. Donc, je dirais que sans envie, le travail, ça peut être morne, quand même. Mais moi, je le prends pas comme un calvaire du tout. Pour moi, j'ai la chance de concilier travail et plaisir, quoi. Chose que tout le monde ne peut pas faire, malheureusement. Mais c'est un choix que je me suis laissé. C'est une volonté. C'est vraiment... c'est pas un hasard. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe comme ça dans ma vie. Voilà. Alors, comment tu abordes un nouveau projet, par exemple? Par exemple, je sais pas, quelqu'un vient te voir en me disant je veux faire tout un dos, par exemple. Ouais. Ça va commencer par beaucoup de discussions. Donc on va échanger sur un tatouage, ça se fait à deux, en fait. Il y a ce que veut la personne. Et puis il y a des impératifs qui sont soit techniques ou soit stylistiques. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir pour un tatouage, en général, savent ce que je fais. Et ils vont pas me demander le boulot dans le style d'un autre tatoueur, par exemple, qui aurait rien à voir. On va commencer par beaucoup discuter et énoncer les idées qui sont potentiellement intéressantes ou celles qu'on va laisser tomber. Il y a pas mal de gens, en général, qui veulent un peu, surtout dans les premiers tatous, qui veulent mettre toute leur vie dans un seul tatouage. Et on se retrouve avec des idées dans tous les sens qui se marchent dessus. Je sais pas, une roue du karma tibétaine à côté d'un idéogramme chinois, le tout sur un fond polynésien, et on se retrouve en fait à manger une pizza hawaïenne, savoyarde et napolitaine en même temps, et chacune indépendamment sont très bonnes, mais ensemble c'est pas bon, quoi. Ouais. Donc on commence par faire le tri de ça, d'épurer les idées, et puis d'essayer d'aller à l'essentiel, parce qu'un tatou, un tatou, ça doit être joli vu de près, mais faut que ça soit pas trop mal vu de loin aussi, quoi. Et si on fait la chapelle Sixtine, même dans un dos, ça tiendra pas, à moins de tout faire en tout petit, et puis là on aura un gros brouillon. Donc on épure les idées. Et puis, oui, c'est ça, on discute beaucoup avec la personne, et jusqu'à ce que... Alors, la personne va accepter ou pas que tu enlèves certaines idées, et si elle ne veut pas, tu vas lui faire comprendre que le tatou ne sera pas forcément bien, et pour telle et telle raison. Et en tout cas, dans mon cas, ça passe toujours à peu près bien. Les gens te font confiance? Ils viennent pour ce que je fais, donc s'ils veulent avoir du Thomas Boulard, il vaut mieux qu'ils me laissent bosser... sans trop me mettre de bâton dans les roues, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien avoir une idée de départ, une zone, et puis un bon champ de manœuvre. Voilà. Et puis montrer le dessin au dernier moment. S'il y a des modifs avec les gens à faire sur le dessin, on les fait le jour même du tatouage, et on les fait ensemble en direct. Ça évite ça m'évite, moi, de recommencer 50 fois, parce que souvent, quand on fait des modifs, on sait pourquoi on a dessiné une chose d'une telle façon. Si on nous le fait modifier, va falloir expliquer pourquoi ce serait moins bien, mais les gens veulent le voir quand même. Donc on modifie, et au final, à force de modifier, on se retrouve très souvent à revenir au point de départ. Et là, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps quand même et d'énergie. Donc c'est pour ça que je montre les...
Après avoir longtemps discuté de ce que j'allais faire, le dessin final, on le voit en fait au dernier moment, quoi. Avec possibilité de faire des petites modifs, quand même. Donc ça, par exemple, c'est un truc que tu as appris avec l'expérience, de ouais, ce timing-là. C'est ma façon de bosser. Ouais. Je connais des tatoueurs qui, trois mois avant le rendez-vous, ont déjà le dessin de près dans un petit casier bien rangé. Je ne peux pas, je suis un procrastinateur professionnel. Je mets ça au service de mon boulot pour une très bonne raison. Enfin, des raisons qui me concernent, mais... je ferais pas les mêmes tatous si c'était... Et puis j'aime bien me surprendre aussi, tiens. Ça, c'est un truc aussi... à cause de ça, à cause du fait que j'ai une échéance très brève entre le moment où je vais commencer à bosser sur le dessin et le tatou, en général c'est la veille pour le lendemain, du coup, mes prises de décision, j'ai pas trop le temps de tergiverser en fait. Ouais, il y a une immédiateté. Ouais, et puis je me rends compte avec le temps que la première idée est 99% du temps la bonne. Donc c'est pas la méthode pour bosser, mais c'est ma méthode. Oui. Et j'en connais d'autres qui sont comme ça aussi. Notamment mon grand mentor du tatouage, Jean-Luc Navette, qui m'a énormément tatoué et dont j'admire le travail. Est un énorme procrastinateur lui aussi. Plus que moi-même. Puisque quand on arrive chez lui, les dessins ne sont pas faits du tout. Ouais. Alors justement, la question ne touche pas forcément aux professionnels d'ailleurs, mais est-ce que tu as connu des échecs ? Des échecs ? Ouais. Est-ce que j'ai connu des échecs ? J'ai connu... oui, alors les plus gros échecs de ma vie ont été des échecs sentimentaux. Je pense que c'est les échecs que je ressens le plus fort dans ma vie, parce qu'un échec professionnel, j'ai pas l'impression d'en avoir vraiment connu. À l'époque où je bossais dans des jeux vidéo, j'ai bossé sur des jeux vidéo qui ont été des échecs, mais c'était pas mon échec à moi. C'était des échecs marketing ou autre. Mais j'ai eu la chance de pas vraiment avoir d'échecs, de ce que je pourrais appeler d'échecs dans ma vie professionnelle. Et puis au final, quand c'est reporté, quand c'est comparé à la vie sentimentale, il y a une... Moi, je place toujours quand même ma vie avant le travail. Bien que le tatou, ça soit... J'en vis, c'est un travail, mais c'est pas du travail. C'est ma vie aussi. Donc bon, je le mets à peu près à ce même niveau. Mais oui, mes échecs ont surtout été sentimentaux, je crois. Alors, 2019 se termine. Ouais. Cette année, qu'est-ce que tu as fait de nouveau ? Tiens, c'est une bonne question. Ça mérite réflexion, ça. Si, je me suis complètement remis au sport. Bah oui, l'année 2019 a été ma réconciliation après de nombreuses années avec le sport. J'ai été un ancien... je courais dans le temps, je faisais des marathons. Et je m'y suis remis, et ça fait du bien, j'aime bien. Avant, il fallait me fouetter ou me taper avec un bâton pour me faire courir 10 mètres. Maintenant, c'est une façon de méditer un petit peu. En fait, ce que j'apprécie là-dedans, c'est quand on a passé une demi-heure de course, on rentre dans un état de transe un peu, où on se rend compte qu'on réfléchit beaucoup plus vite. Donc je fais les brouillons, je me sers de mes moments où je cours pour faire pour réfléchir à mes brouillons de dessin. Plutôt que de griffonner sur une feuille, je le fais dans ma tête, en fait, pendant que je cours, parce que c'est le meilleur moment meilleur moment pour réfléchir. Donc ouais, ça c'est nouveau, en 2019. Okay. Pas grand chose d'autre, je crois. C'est pas mal, déjà. J'aime bien ma petite routine, en fait. J'ai mes petits bars où je vais, mes restos où je vais... Alors, je suis sans surprise pour les gens qui me connaissent bien. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition du tatouage ? C'est quoi un tatouage pour toi ? Ah, voilà.
ça peut être plusieurs choses en fait. Ça peut être un, ça peut être un rite initiatique entre l'adolescence et l'âge adulte, par exemple. Donc ça va être souvent les tatouages de cobra, de panthère, de scorpion, de trucs comme ça. Ça peut être... c'est souvent pour marquer des étapes dans sa vie, en fait. Le tatoueur qui m'a appris, quand il voyait quelqu'un rentrer dans la boutique, quasiment tout le temps, il savait ce que la personne allait demander d'avance. Tiens, tu vois cette femme de 40 ans, là, elle vient dans la boutique, elle n'est pas accompagnée. Tu peux être sûr qu'elle va demander un papillon, parce qu'elle est récemment divorcée et que ça va être la façon de marquer sa libération, son envol vers une nouvelle vie. Voilà. Je caricature un peu, mais c'est vrai. Enfin, c'est exactement ça. Donc ça peut être ça. Ça peut être... ça peut être tout simplement social, pour faire le badass avec ses potes, ou bah, maintenant, faire le badass avec des tatous, c'est un peu fini, parce que qui n'est pas tatoué, hein, même moi. Même toi, un mec super straight, je vais être tatoué. Par contre, t'as des gens qui collectionnent. Comme il y a des gens qui vont s'acheter des toiles d'artistes qu'ils aiment bien, bah, y a des gens qui se font... qui se collectionnent des pièces de tatoueurs qu'ils aiment bien. Donc il y a ça, il y a le tatouage de deuil aussi, de deuil. Alors ça c'est assez marrant, enfin c'est assez marrant comme c'est efficace. Il y a pas mal de gens qui se font tatouer donc à la mémoire d'une personne décédée, et ça ce pouvoir de quand on commence à faire son deuil d'une personne décédée, on peut se retrouver des moments à passer une journée sans y penser, au bout d'un certain temps. Et puis après, se rendre compte qu'on n'y a pas pensé, de culpabiliser sur le fait que « Oh, merde, j'y ai pas pensé, enfin, qu'est-ce que je manque de respect ou je sais pas. » Et se tatouer, en fait, c'est une façon inconsciente, je crois, de se loter de la tête. Et donc, en fait, finalement, de se dire, ben, j'y pense automatiquement H24, mais c'est pas en train de me parasiter le cerveau et on va passer à autre chose. Et j'ai eu pas mal de gens qui revenaient me voir longtemps après, enfin, 6 mois après, pour me dire que ça les avait ben, vachement aidés, en fait. Et donc, ça, c'est une des raisons. Enfin, c'est un type de tatouage. Bon, après, il y a quelque chose qu'on voit moins dans nos sociétés, mais bah voilà, les Maoris, en Indonésie, enfin un peu partout, même les Inuits, donc culturellement, se font tatouer. Enfin, ça, dans nos sociétés, c'est un petit peu passé, quoi, quand même. Donc il y avait ce côté tribal, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la mode du tatouage tribal, c'est qu'on essaie de retrouver ces valeurs-là, à une époque où on n'en avait plus. On a appelé ça le tatouage tribal. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre forme de tatouage? Ouais, bon, on a couvert à peu près tous les trucs. C'est... comment il s'appelle? Bruno Bettelheim, un psychanalyste qui a écrit... Psychanalyste des contes de fées, qui est un bouquin très connu. Qui a écrit un autre bouquin qui s'appelle Les blessures symboliques, qui est entièrement là-dessus. Sur les blessures qu'on peut, soit que la société nous inflige ou qu'on s'auto-inflige, et pour quelles raisons. Voilà. Donc, si on veut en savoir plus, je le conseille cette lecture. D'accord. Et alors, du coup, toi, comment tu te positionnes dans l'histoire du tatouage? Ton œuvre, entre guillemets, comment. Est-ce que t'es un moderne? Est-ce que t'es un classique? Est-ce que t'es... je sais pas, toi, ta place? Je fais partie de, on va dire, de ce qu'on appelle, parce que maintenant on met tout dans des étiquettes et des tiroirs, et voilà, de ce qu'on appelle les black workers. Donc, comme son nom l'indique, je fais plus que des tatouages en noir, à rigueur, hein, quelques points de rouge de temps en temps, mais je ne fais plus de tatouages en couleur. Et... j'ai un style donc qui se rapproche pas mal de la gravure, c'est-à-dire que plutôt que de faire des dégradés homogènes, je vais les faire en hachure le plus souvent du temps. Ou...
Donc voilà, c'est le style, le black work, ce qu'on appelle le black work, le fine line, la ligne fine. Parce qu'il y a pas mal d'écoles de tatouages différents, hein, entre le tatouage japonais, l'americana, qu'on peut appeler le old school aussi, ou le traditionnel. Il y a le néo-traditionnel, hein, qui se fait pas mal en ce moment, depuis quelques années. Où là, on reprend les codes du tatouage traditionnel, mais exécuté de façon moderne. Donc moi, je suis dans cette école gravure, fine line, black work. Un peu technique, mais je me trouve bien dans cette catégorie-là. Voilà. Alors là, une question un peu sérieuse et intellectuelle. Est-ce que tu es un artiste? Ça va faire plaisir aux gens, à mes collègues qui sont inscrits au syndicat national des artistes tatoueurs. Parce qu'il y a une grande école, il y a une grande guerre entre les partisans de l'artisanat et les partisans de l'art. Alors moi, j'aurais tendance à dire que je fais les deux. Parce que l'artisanat, c'est beau quand même. C'est une belle chose, l'artisanat, faire des choses pour les autres, avec ses mains. Ce que je trouve moins beau dans l'idée d'artisanat, c'est que ça peut être associé à un enseignement, donc à un bouche ton bras, si tu veux. Ouais. Donc à un diplôme, un CAP ou quelque chose, que je vois très mal adapté au tatouage. Pour moi, le tatouage, c'est pas quelque chose qu'on va choisir entre, je sais pas moi, ébénisterie, chaudronnerie ou tatouage. Entre les trois, mon cœur balance. Non, c'est un truc qu'on doit choisir par passion. Alors, je dis pas qu'ébéniste, c'est pas par passion, mais donc pour moi, le tatouage, c'est quand même beaucoup d'art. Je parle pas des tatoueurs qui font du tatouage tout venant, qui va de leur production de tatouage qu'on a vu mille fois, ou voilà, qui vont faire ça de façon alimentaire. Là, je parle de quand on a quand même développé un style. C'est là qu'on sort de l'artisanat en fin de compte. Quand on est artisan, on peut se retrouver à faire des choses dans le style des autres. À partir du moment où on fait des choses dans son style, et on rentre quand même plus dans la catégorie de l'art. Moi, je fais une création pour chaque personne que je tatoue. Je refais jamais deux fois la même création. Sauf si ça rentre dans une démarche artistique prévue pour. Donc, à partir du moment où voilà, il y a une création par personne, je peux changer de style aussi, parce que je pense que si je me dis que le projet le mérite, je ne fais pas de style japonais, par exemple, mais ça m'est arrivé d'en faire quand même, en me disant, ah, quand même, c'est un truc un peu japonais comme ça, ça irait bien avec cette pièce-là en particulier. Et pour autant, je ne vais pas non plus imiter le style. Ce sera une influence dans mon dessin, mais ça ne va pas être de la copie pure et dure, quoi. Donc c'est là qu'on sort quand même de l'artisanat. Je dirais que la plupart des tatoueurs qui sont sur la scène française sont dans cet état d'esprit-là. Après, il y a une autre marge de tatoueurs qui, eux, sont plus du côté artisanat, mais derrière, on sent qu'il y a une volonté de vouloir ouvrir des écoles derrière, de donner des cours, de qu'il y ait des diplômes de façon à pouvoir développer et vendre ses pigments ou ses aiguilles ou son matériel, ou ses machines à tatouer à ces écoles-là. Donc, il y a quelque chose d'un peu moins sain, je trouve, derrière certains discours sur l'artisanat. Mais c'est un débat énorme, hein, en fait. C'est un débat énorme. Par exemple, pour le moment, on n'a pas le droit d'être inscrit à la Maison des artistes. Ce qui est quand même un peu triste, sachant que dans mon ancien métier, par exemple, ce qu'on appelle un beatmapper, qui est un graphiste 2D qui va bosser sur un ordi à faire des logos ou des petites images, on va dire, bah lui, il peut y être à la Maison des artistes. Pourquoi est-ce que nous, on n'y serait pas, alors que
au niveau de la sécu, on est classé de la même façon que, si ma mémoire est bonne, que fleuriste ou toiletteur pour chiens. Voilà. Donc c'est un énorme débat en ce moment. Moi j'aimerais bien qu'on soit reconnu par la maison des artistes, par exemple. Ce serait une bonne chose. Et c'est une question qui peut déclencher des guerres entre personnes, ça, ce débat-là. On l'a eu. Et enfin, former quelqu'un, transmettre, c'est quelque chose qui a du sens pour toi Ouais, oui, vraiment. Ouais, ouais. Alors, bah, j'ai déjà formé une artiste qui s'appelle Sophie Hédon. J'ai eu beaucoup de plaisir à la former parce que bah, elle est douée, elle a son univers qui est différent du mien, mais moi j'adore apprendre aux autres ce que j'ai appris, leur faire gagner du temps, quelque chose que j'aurais mis très longtemps à découvrir tout seul parce que personne ne m'a expliqué, pouvoir le dire en 5 minutes et hop, c'est intégré par la personne et elle passe à autre chose. Non, c'est super chouette. Moi, je suis arrivé dans le tatou à un moment où, quand on était apprenti, il fallait encore, la plupart du temps, passer un an à regarder le tatoueur tatoué avant de pouvoir toucher une machine la première fois. Et puis, on faisait le ménage, et puis on faisait que ça, en fait. Et en gros, on faisait les corvées du tatoueur. Là, maintenant, on est beaucoup plus axé sur une vraie formation, quoi. C'est-à-dire, faire toucher le dermographe le plus rapidement possible, la pique, voilà, le geste, pourquoi on fait un trait dans tel sens ou plutôt que dans tel autre sens. Et là, on voit que la formation n'a rien à voir. Enfin, il y a des gens qui peuvent être formés en quelques mois à avoir un super niveau. À partir du moment où le dessin est déjà. Le plus dur, en fait, c'est de former quelqu'un qui n'a pas une base de dessin. Et là, ça a beaucoup moins m'amusé. À former quoi. Parce que si le tatouage c'est une couche qui se rajoute par-dessus le dessin. Même s'il y a certains tatouages qui se font sans nécessiter vraiment de dessin, mais c'est important quand même pour avoir un sens de, je sais pas, au moins de la composition ou de l'équilibre d'une image ou ne serait-ce que pour avoir une culture, savoir les références à chercher, la connotation, le dénoter, tout ça. Enfin, Donc, l'enseignement, c'est vachement bien quand on n'est pas obligé d'enseigner le dessin en plus. Voilà. Donc, j'ai une apprentie à mi-temps, puisqu'elle habite à Toulouse et je l'ai seulement quelques mois par an. Donc, c'est un apprentissage au ralenti, on va dire, mais j'ai... presque tout le temps, quelqu'un en apprentissage avec moi. Ouais. Super. Et alors, dernière question. C'est quoi ta vision de l'avenir du tatouage? Comment tu vois ton métier dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu te projettes en avant? Est-ce que, je sais pas, il y a de la R&D, il y a des gens qui font de la recherche, il y a de la science-fiction du tatouage Oui. Les fans de SF, on connaît Starship Trooper, par exemple. Il y a une scène qui a fait fantasmer tous les tatoueurs, hein, où les trois amis se font tatouer avec un bras robotique avec un laser, en 2 minutes se font tatouer un truc. Depuis quelques années, il y a des étudiants, alors ils ne doivent plus être étudiants maintenant, mais des Français qui bossent sur qui ont hacké une imprimante 3D en la reprogrammant, en mettant des capteurs de pression, etc., etc., pour transformer ça en machine à tatouer, en fait. Et ça marche. Un pote à moi s'est fait faire une spirale, mais parfaite, sur le mollet. En revanche, ça marche que pour les choses très simples, sur les petites surfaces.
Enfin là, c'est les balbutiements de trois mecs qui bossent ensemble dessus le week-end, quoi, voilà. Et ça a commencé il y a quelques années déjà, donc le futur, comment je le vois, c'est que dans le futur, il y aura des bars à tatou, où en fait, on pourra se faire faire automatiquement des petits tatouages dans des catalogues, dans des bases de données, voilà. Moi, en tant que tatoueur, ça impactera pas mon travail parce que ce que je fais, il n'y a pas de machines qui pourront le faire, a priori. Alors peut-être techniquement, de la repro de dessin que je ferai, peut-être que dans 100 ans, avec des IA super perfectionnées, elles pourront avoir le toucher, la sensibilité, s'adapter à toutes les différentes surfaces ou textures de la peau. Bon, pour le moment, il n'y a pas ça, clairement. Mais pour les petits tatouages que nous, on ne trouve pas forcément intéressants à faire, bah, ça va nous libérer de ça un petit peu. Enfin, moi, j'en suis déjà libéré parce que je ne le fais pas, mais les boutiques qui font que ça, pour elles, ça ne va peut-être pas être un atout. Ça va leur bouffer du... ça va leur ôter le pain de la bouche, comme on dit. Mais moi, je suis plutôt favorable à ça, quoi. C'est très bien. Il en faut pour tout le monde, de toute façon. Et voilà, les petits tatous pas intéressants, c'est des machines qui font en 5 minutes entre une bière et un coca, et voilà. Ça, c'est, ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Cool. Ou peut-être même, alors là, c'est carrément de la SF pure. Il y a des chirurgiens qui commencent à opérer à distance via un bras robotique. Si on peut opérer quelqu'un à distance de l'autre côté de la Terre, pourquoi on ne pourrait pas tatouer avec un retour de, si on a un retour de force sur les, voilà, la pression de la peau et tout, bah, pourquoi pas. Après, les technologies mises en œuvre pour la médecine n'ont pas les mêmes budgets alloués en R&D que pour le tatou, mais il y a des gens qui bossent, il y a des vrais designers qui bossent sur le tatou. Cette machine-là, c'est des machines créées par un designer industriel. Donc, moi, ayant une formation designer industriel, un des premiers trucs que je me suis demandé quand j'ai commencé à tatouer, c'était est-ce qu'on peut virer ce fil qui retient la machine. Et quelques années après, il y avait ça qui était sorti. Donc, il y a des accus suffisamment petits, avec des batteries lithium, voilà. Ça y est, ça marche. Alors qu'il y a 10 ans de ça, non, c'était encore de la SF. Et les machines étaient encore faites de façon artisanale. Là, on a des machines faites de façon industrielle, réfléchies, qui sortent d'un bureau d'études, quoi. Et ça, bah, on l'aura de plus en plus. Je pense, après, il y aura toujours des artisans de machines traditionnelles qui font ça à la lime, voilà, avec un étau et un fer à souder, hein. Mais il y a de plus en plus de R&D qui misent là-dedans. Parce que le tatouage, c'est tellement répandu que maintenant, il y a beaucoup d'argent qui est brassé. Les fabricants de matériel, il y en a plein. Il y a quelques années de ça, il y en avait très peu. Il y avait des gens qui fabriquaient des aiguilles, qui vendaient les aiguilles. Ensuite, il y a eu les manchons. Donc, c'est la partie qui tient l'aiguille, qui était avant en inox, qui maintenant est à usage unique jetable. Ben voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire vraiment à la main, donc il y a une industrie derrière. Et de plus en plus, il y a une industrie derrière chaque élément du tatou. On a des produits adaptés au tatouage qu'on n'avait pas avant. Voilà, donc ça c'est le futur du tatou, ouais. Ouais. Et je pense qu'on se fera toujours autant tatouer dans le futur. De la même façon qu'on s'est toujours fait tatouer, c'est-à-dire il y a le phénomène de mode qui est, enfin tout le monde parle du phénomène de mode de tatou, mais en fait c'est juste parce que il a contaminé toutes les couches sociales. Avant c'était très limité aux gens de mauvaise vie, aux militaires, aux prisonniers, aux marins, enfin c'était pas pour tout le monde, maintenant c'est pour tout le monde le tatou. Donc c'est là qu'il y a eu un changement, mais c'est pas une mode, parce que contrairement au piercing, le piercing on peut l'enlever, donc à partir du moment où on peut l'enlever, ça peut être une mode. Un tatou, on la vit, c'est un engagement.
Ouais, c'est un, les gens continueront à voir des gens tatoués autour d'eux pendant très longtemps, donc ça va générer des envies en permanence, je pense.